Voilà la dernière animation, l'effet chenille. Il y a pas mal de trucs de paramétrables. Là, je sors sur deux rubans. On peut sortir sur un ruban. Je ne sais pas si on voit bien là, mais il y a deux rubans. Donc, deux rubans de 300 LED. On peut faire paramétrer la couleur, la vitesse, bien sûr. Je regarde parce que je ne me rappelle plus déjà. Voilà, on peut paramétrer le nombre d'objets, les couleurs des LED de forme, j'appelle ça. Là, c'est jaune, mais ça peut être bariolé, un peu comme les chenilles processionnaires. On peut donc la luminosité, je l'ai dit, et la temporisation. On peut pas paramétrer le nombre de LED de forme parce que c'est assez compliqué. Alors j'essaierai de le faire, mais le truc c'est qu'il faut que ça soit multiple en fait du nombre de LED. Donc c'est pas évident de tomber juste parce qu'en fait je le fais qu'une fois et puis après je multiplie par le nombre de segments que je veux. Mais bien sûr, il faut que ça soit un multiple de 300 LED puisque c'est des segments de 300 LED. Voilà. Alors, je vais essayer, par exemple, de faire... Désolé pour la qualité d'image. Je vais faire deux couleurs. Donc, je mets là ce paramètre à vrai. Je téléverse. Voilà, et là on a rouge et jaune. Voilà, moi je préfère une seule couleur parce que. Ou alors peut-être faire noir et jaune. Faudrait que je regarde les couleurs des vraies chenilles en fait. Voilà.